depuis notre indépendance, we've been stuck in a cycle of conflict, in a cycle of back and forth conflict. So for me, I say it's enough, okay? So in that sense, I will say that let's try to move on a different note. Bon, nous sommes de retour en direct avec mon invité Louis-Antoine Mouhire. Et Mouhire, avant d'aller à la pause, on parlait de la contestation manifeste donc, dans les esprits des jeunes d'aujourd'hui dont tu fais partie. Et donc, les jeunes qui en ont assez avec les pratiques et les comportements de certains parents, et même, ils vont jusqu'à dire que cette génération doit être malade. Tu penses qu'il y a un leadership qui se crée réellement au sein de la jeunesse? Je pense que oui. Je pense, moi, quand j'entends les propos de Tuyisengue, je suis content parce que je me rends compte que je ne suis pas le seul fou, le seul à constater que la société est malade. Que oui, les parents ou les aînés sont malades, sont vraiment malades parce que, et je me dis aussi que c'est un processus normal et que oui, les jeunes vont prendre la relève, que les vieux le veulent ou pas.